Salut tout le monde! Durant chaque vacances, je remonte dans la plus belle région de France, ma ville natale, entourée de champs, de champs, de champs et de moutons. Je vous laisse deviner où je suis. En Picardie. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques préjugés que les personnes d'ailleurs me disent quand je discute avec eux. Tout de suite, quand je leur dis que je viens de Picardie, ils me posent des questions du genre « C'est où la Picardie ? C'est nul là-bas ? Vous faites quoi durant vos vacances ?» Je serais même pas surpris qu'ils me posent des questions du genre « Vous connaissez la télé ? Vous portez des vêtements là-bas ? Toi, parler français ?» J'en suis sûr que dans leur tête, ils doivent voir la Picardie de cette façon. Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dans Enquête Exclusive. Aujourd'hui nous nous retrouvons en France, plus exactement dans le département de la Picardie, peuplé de créatures nommées le Picard. Par contre il faut pas faire de bruit, sinon ils vont être effrayés. Oh, regardez, c'en est un. Attendez, je vais essayer de le caresser. Vous avez vu ? Il a disparu. C'est incroyable. Et voilà donc, c'est la fin de Enquête Exclusive. Au revoir. Mais arrêtez tout de suite ces préjugés. On est comme vous. Enfin, je crois. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de montagne et des activités du genre le pédalo, le ski, le wakeboard ou le parapente qu'on se fait chier. Y'a qu'à voir où j'habite. Regardez les activités de ouf qu'il y a. Hey, si toi aussi tu veux passer des vacances de rêve, t'as qu'à venir en Picardie. Tu pourrais faire toutes sortes d'activités, comme t'amuser dans un grand parc de jeux, faire du foot, du basket ou encore te baigner dans une géante piscine naturelle. Alors, qu'est-ce t'en dis ? Rejoins-nous ! Viens, on est bien. Ah oui aussi, faut arrêter de croire qu'en Picardie il pleut tout le temps. C'est pas parce que c'est le nord qu'il pleut tous les jours. Ne croyez pas qu'on ne connaît pas le mot soleil. C'est quoi ce bordel ? Oh putain ! Et arrêtez aussi de croire que les Picards sont ch'tis ! La Picardie se situe là, et les ch'tis là. Vous voyez la délimitation, la frontière ? Ok ? Et donc quand vous discutez avec un Picard, ne lui demandez pas de parler ch'ti. Dans tous les cas, vous serez déçus. Hey les girls, regardez, un Picard. Hey le Picard, viens nous parler en ch'ti. Moi ? Bonjour, tu aimes le reblochon ? Hein ? Biloute ? Ah mais en fait, tu sais pas parler ch'ti ? T'es qu'une merde ! Casse-toi ! Mais... Hey les girls, venez, on va clubber tonight. Ah oui, une dernière chose, pour les magasins Picard. Comment dire ? Ils ne viennent pas de Picardie, purée. C'est juste que son créateur se nomme Raymond Picard. Donc quand vous allez dans un magasin Picard avec un Picard, évitez de faire cette blague, dans tous les cas elle sera ratée. Parce que le mec, il aurait pu très bien s'appeler Raymond au Savoyard. Et le magasin, ça serait au Savoyard surgelé. Hein ? C'est en bouche à quoi, hein ? Biloute, donc maintenant, merci, au revoir. Today, I just woke up and I said, no, instead of waiting on a good day.